Avec une bonne bouteille, de quoi on a besoin ? D'un bon fromage. C'est ici, en l'abbaye de Saint-Vergeron, que les moines franciscains perpétuent une tradition culinaire ancestrale dans le plus grand secret. Spiritus Sancti Dominus Patris. 5 siècles d'expérience donnent encore aujourd'hui naissance à ce fromage de moine qu'est le Saint-Vergeron. Un fromage de caractère, moulé au doigt. Un fromage de fermentation naturelle qui a su garder la saveur et l'onctuosité d'un véritable produit du terroir. Protégé par les dieux, anobli par le temps, le seul, l'unique Saint-Vergeron. Le fromage de mythe. Madame, dégustation gratuite de fromage, moulé sur le moine. Bonjour, dégustation gratuite de fromage. C'est un produit 100% naturel qui est fabriqué de la même manière depuis des siècles. C'est le Saint-Vergeron goûté. C'est-à-dire ce que vous en pensez après. Ah, presque. Ah, ça commence par la même lettre. C'est du fromage de bite. C'est du fromage de bite. Voilà. Non, de bite. Du fromage de bite. Vous reconnaissez ? Non. C'est doux, hein. Ah, c'est très doux. C'est très doux. Ça épouse le palais, notamment féminin. Vous savez ? Eh bien, vous savez ce que c'est ? C'est du fromage de bite. Bayonne, non ? Ah non, monsieur, non. C'est vrai que c'est pas vraiment du chèvre. Non, c'est pas vraiment du chèvre, non. C'est fabriqué à la main par les moines. C'est intéressant. C'est intéressant. Bonjour, ma sœur. Vous savez que c'est une fabrication artisanale, donc... On a des moines aussi. Des pâtes de fruits. Ben nous faisons du fromage de bite. Vous connaissez sûrement. Non. On peut vous porter un cajot de fromage de bite pour toutes les sœurs de la paroisse. Non, mais je vous souhaite une bonne réussite. Merci. Le Saint-Vergeron, le fromage de bite. Abonne-toi, viens. Abonne-toi. Mais abonnez-vous. Abonne-toi, déconne pas. Bon, allez, abonne-toi.